Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est parti, petite game sur le main avec Zach, let's go. Par contre les gars, ce n'est pas une blague, cette fois-ci je n'en reviens pas, mais le fils de Sardoche est dans ma team. Pseudo fils de Sardoche joue Cassiopeia top et possède une larme de dans son inventaire. C'est forcément le fils du roi du sel, genre ça ne peut être que lui. Là, il y a beaucoup trop de preuves additionnées. C'est forcément lui. Je n'en reviens pas. Attends, il vient de faire quoi, le MR? Il a posé une tourelle qui a tapé la tour pour gagner des golds avec son item support. Ah ouais, ça me met très très bien, ça. Bon, allez, on va se concentrer. Pour l'instant, on fait que des gigantesques extermino slaying avec Zach. On va essayer de faire la même, là. On va essayer de faire la même, cette game. Let's go, let's go. On se met dedans, 15 de ping, chilling. Leur compo est pas insane, en fait, ils ont pas vraiment de frontline et le Viego a pas vraiment de setup. En fait, Viego, quand t'as personne pour vraiment te setup des resets et tout, c'est dur à jouer. Donc là, la game, elle est dure pour le Viego. Ils ont que des dégâts et tout, mais pas vraiment de setup. Leur compo est pas ouf. Mais faut quand même faire attention à ce genre de draft qui ont beaucoup de range. Ils ont vraiment l'avantage de la range, donc ça va être à moi de compenser ça. Grâce à mes engages. Compenser leur énorme avantage de range. Très important. Start blue pour le Viego, il semblerait. Comme d'hab avec Zach, hein. Faire aucune erreur en early égale souvent détruire la game. Ouais, Zach, c'est juste fort, hein. Faut juste être. Si t'es vraiment pixel dessus en early, mécaniquement et tout, c'est vraiment un bon champion. Mais il faut passer le cap de bien maîtriser le champion. Moi, je me rends pas trop compte, tu vois. Genre, le passif. Peut-être que le passif, c'est très dur pour les gens, tu vois, je sais pas. Peut-être que les gens détestent le gameplay à cause de ça. Parce que moi, j'ai des. Mon nombre de games sur Zach, c'est un nombre. C'est un chiffre à. C'est un nombre à 4 chiffres, quoi. D'ailleurs, ceux qui jouent le pic, qu'est-ce que vous aimez dans le pic? Ou ceux qui ne jouent pas le pic, qu'est-ce que vous aimez pas? À mon avis, le passif, c'est vraiment ce qui fait que Zach est peu populaire. Marcher sur les... Moi, j'aime bien, tu vois. Pour ça, c'est un de mes persos préférés, tu vois. Mais... Je me dis, ça doit vraiment péter les couilles, hein. Ramasser des blocs. Bon, à part ça, ça va, le reste du kit est cool. On se concentre, les gars. Il kill au mid? Non, il kill pas. Faut qu'il attende, je vais lui dire d'attendre un peu. Il va pas s'énerver quand même, cet énorme golem. On est même pas à 3 minutes de jeu, je joue Zach, bon. Je sais pas trop où est allé Viego. J'ai un double stun. Lushan est low, on gagne ça normalement avec un bon Lushan. Il m'a fait peur, hein. Ça va, il a réengage derrière. On avait les pings de Cassio en plus. Putain, j'ai eu peur. Let's go. Parce que là, on doit gagner. Là, tu vois, typiquement, le Lushan, j'ai vu qu'il m'a pas suivi direct. Après, je peux comprendre, tu vois. Genre, il a peut-être pas vu que j'avais un double stun et tout. Ok, bien joué, bien joué. Heureusement qu'il a suivi. GG, scale, chill, easy. Ça ne veut rien dire. Le mec qui vient d'apprendre l'anglais, tu sais. Let's go guys, skate, chill, easy. Yes, very good, go. Non, en vrai, let's go, on est très très bien là. C'est très tilté ce Lushan. Hein. Quand j'étais en train de faire mes camps, juste mon premier clear, il a mis un petit smiley dans le chat là. Là, il a même pas dit GG ou quoi, je viens de lui carry ça. Enfin, il m'a pété les couilles, Lushan. C'est pas grave, la game se passe bien, c'est l'essentiel. Mes camps à faire. Ah, Viego derrière en early, il a fait que 5 camps avant de mourir. Et là sur mon back j'ai eu lucidité d'Arxil, c'est le rêve. Là pour l'instant j'ai l'early de rêve avec Zach. Pas ouf ce trade level 4 contre 5. Là hop, le Q spell derrière.
que j'avais rien à auto-attaque. Là, faut freeze, mon frérot. Non, il veut pas freeze, il a un red buff. Il y a Viego bot side. Je vais juste me montrer bot side là pour cover ma bot lane. Et là, faudrait que je me barre ou que je fasse le Drake. Ok, bah ils ont tué, je vais start break. C'est un énorme wrap cette game. Let's buy all of us after this. Faut qu'on reset là. On a besoin de reset pour faire valoir notre avance. Il y a des gros shutdowns qui traînent. Bah, c'est vraiment le moment où il faut pas genre troller et donner les shutdowns, tu vois. C'est vrai que je les call dans le chat, la botlane doit back. Parce que moi là je perds pas mal de tempo à faire le Drake. C'est Inferna d'ailleurs qui va mettre très bien nos carry, hein. Xayah, Lucian, Senna là, bon, petit buff d'AD, ça les met bien. J'hésite à aller bot, mais non, ma botlane est loin, là je devrais jump mid. Il a pas son flash encore, je pense. Je suis pas level 7, c'est vraiment la crise. Non, mais il y avait le creep collé à moi, c'est très unlucky. Ça se joue à 1 pixel ou 2. En fait, le creep était sur moi un peu derrière et ça a touché l'hitbox. Et de toute façon, j'étais pas level 7, je pouvais pas gank le Ryze qui reste du bon côté. Ah, Viego a volé tous mes camps là. Aïe. Il a bien joué en vrai, en plus, le gank top derrière. C'est pour ça que je voulais tout ce qu'on décale sur le Drake. Pas trop de tempo. Attends, peut-être l'aider, hein. Ouais, non, elle est finito. Ah, bonne phase de jeu de leur part, là, ils arrivent à se remettre bien sur le topside. Ils gagnent beaucoup de temps quand même. Hein. Moi, je peux voler ça derrière. Je fasse gaffe, hein, ça va arriver sur ma gueule. Parfait. Excellent. Je vais tenter de lui mettre un petit Q sneaky. Putain, j'ai toujours pas mon level 7. Je fais genre de me barrer, je vais essayer de revenir. Ah, il sait, hein. J'ai un level 7 dans un creep. My bad. Ça lui met quand même un bon trade. On a l'ulti Senna qui up. Le truc, c'est que j'ai beaucoup de gold. On a une phase de jeu là où j'ai vraiment perdu beaucoup de temps. Diego peut être bot, ouais, c'est la merde. Je sais pas ce que j'aurais pu faire. En vrai, ils ont juste bien joué en face topside. Le Ryze respecte toujours au mid. Très compliqué. Gros trade mid, je vais aller au Herald là-dessus. Faut que la Senna look top. Là, par contre, aller au Herald, c'est vraiment bien. Sur le Viego qui s'est montré, même si à Montréal, parce que là, c'est free Herald et avoir un Herald comme ça quand on est devant. Je vais ping l'ulti Senna. Senna, je trouve ça tellement fort, genre. Une Senna, tu vois, qui est vraiment concentrée, qui ulti toujours quand elle doit ulti et tout, c'est illégal. C'est littéralement illégal. T'as un global, t'es bien en lane. Y a légit tout dans le pic, quoi. Ah, comment j'ai pu rater ça? C'est pas possible. C'est dramatique. Je sais pas ce que je branle là. C'est ma première game de la journée. Bon, après ça va, j'ai fait un early pixel. Hein. En vrai, ça va. Hein. C'est... On a le Drake, on a le Herald. Normal que ça me coûte beaucoup de tempo et tout. Ah, mais c'est que j'ai vraiment besoin de back. Ah, il le veut. Vas-y, je lui laisse. Hein. Il a intérêt à pas le hint. Hein. Je sais pas, sur Lucian c'est bien. Il y a Viego. Le Viego est très squishy. C'est bon à savoir ça au niveau des focus. On peut y aller avec Cassio. Vas-y, en vrai, j'ai un full combo là, il est mid life. Senna. Là tu vois, je compte sur la Senna. Elle a pas air, genre. J'ai ping, mais. Sinon j'aurais flash out. Ça passe quand même, let's go. En vrai c'est fine, hein. Elle garde son ulti, moi juste passif. Là, le trade était dur, mais le Lucian était en train de décaler. Par contre, si le Lucian ne décalait pas, le move était très compliqué. Viego Jay, c'est quand même très fort en 2v2.
Nice, ça snowball bien. Need back. J'aimerais bien mettre mes camps en CD, il y a le Drake bientôt aussi. J'ai envie qu'on bat en même temps avec la team. Ça va donner du gros shutdown là. J'arrive mon frère. Il peut nous tuer hein. Il est slow. Il joue dans sa tourelle, on peut rien faire. C'est pas la meilleure phase de jeu de ma part là, mais ça va. Fait une game ok. Honnêtement, cette game là, je suis pas pixel. Je suis pas pixel, mais on... tant mieux parce qu'on a une bonne team. On a les Drake, on a les Herald. J'arrive Herald mid, Kier shutdown. Let's clean game. Elle peut prendre le red, c'est bien. Moi je vais aller mid. Il a pas d'ulti lui. Hein. Ça c'est relativement low. Ça TP. J'ai combien? J'ai encore une minute en vrai, ça va. Double step. Quoi? Oh, il me l'a sidestep. Putain, il a bien joué. Hein. Il m'a bum sur son pote. Zach doit... Attends, faut que je bloque les Q là. Nice. Faut que je bloque les Q, ça va. Je. C'était ok. C'était ok. Là, faut que je prenne les gold. On partage, c'est très bien. Là, Lushan est overfed. Moi j'ai besoin de gold aussi parce que moi je vais être solo frontline à sauter dedans. C'est important que j'ai des gold cette game. D'ailleurs je devrais faire un Frostfire. Hein. Contre leur team, la cape Sunfire c'est pas ouf. Hein. Je vais faire le gantelet plutôt. Bon, il y a que des ranges comme ça. C'est mieux je pense. Il me faut pas mal de CD. Attends, il a 4000 gold de Fushan, ok. Ok, sa base. Faudrait jouer les Drake hein, pour consolider notre avance. Nice, le Viego était sur moi, il m'a pas cancel. Sa go jamais exaltante. Et ça rush Drake. Ok, ok. Mais voilà, vraiment, là c'est une game où je pense même pas item offensif, je pense pas du tout Mejay. Genre là, j'ai que des carries que je dois setup. C'est limite si les lucidités sont de trop, tu vois. Je la rendrai sûrement pour des tabis. Hein. Là, je dois juste tanker le monde. Là vraiment je pense même pas à faire des items genre Nightvaux, pile mes essais, non là vraiment. C'est le genre de game où vraiment pur full tank sur Zach. Genre tu... Le job que j'ai dans la game c'est vraiment de tanker des montagnes en face. Nice, bien joué team. Ok. Y'a le Herald dans 50. Attends, c'est moi ou les objectifs shutdown sont pas activés? Ah non, parce qu'on est pas à 14 minutes. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Hop! Là, je suis complètement haut classe. Let's go! Il vaut plus grand chose, hein. Donc ça, on va voler tous les camps, ça va nous ouvrir les râles derrière. Là, niveau timing et tout, on est trop bien. Ça va être de la 15 minutes game. Là, moi, faudrait que je fasse les golems avant le Herald. Ils sont pas. Ok. Il peut y aller tout seul, Lushan. T'inquiète, y'a personne, frérot. Après, faut qu'on prenne la tourelle en side, ça rend beaucoup de gold. Y'a les camps à voler. C'est vrai que là, le meilleur play, c'est prendre tes deux bots, prendre les camps. We need back. Ah, je full tryhard même avec ça d'avance, les gars. C'est la discipline, c'est très important sur LoL. Avoir un bon mental, une bonne discipline, genre vraiment c'est trop important. Ok, dans FF. Let's go! J'ai pas fait une game de fou, mais en vrai ça allait. J'ai quand même fait un bon early. Quand il fallait sur le Drake, c'était nice. L'Herald aussi. Juste, ouais, le Ryze s'est mis à respecter. J'aurais dû un peu moins focus sur lui. Et il y a un moment aussi où j'ai back un peu tard. Quand j'avais genre 2000 gold, j'aurais dû back après les loups là. Ça aurait été pas mal.
Mais voilà les potes, j'espère que ça vous aura mis bien. Petite VOD speedrun, ça fait plaisir. N'hésitez pas à passer sur le live comme d'habitude du multi-gaming. Petit jeu d'aventure, on teste les nouveautés, on fait du TFT, on fait plein de trucs. N'hésitez pas. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Lâchez un petit commentaire, un petit like pour soutenir le taf sur YouTube. Et voilà, merci pour tout les gars. Passez une bonne journée. Et yo les gars, un petit... Non, je... Salut les gars, ciao.